Écoute cette histoire. Écoutez cette histoire que je vais vous raconter. Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, dans la Phocéenne cité. À Marseille, dans le centre, à la plaine, au quartier. À Marseille, dans le centre, à la plaine, au quartier. Il doit être 22h quand commencent les festivités. Je ne connais pas grand monde, mais 15 personnes sont invitées. Bien sûr, le vin et le whisky sont sortis. Ça freestyle sur le son de l'ordi. Quand l'alcool monte comme à toutes les soirées, ça enlève la honte et du mic, nous voilà emparés. Ça freestyle sur des sons de Tupac à Marley. Y'a de l'improvisation, certains ont des flots de tarés. Alors on passe nos chansons et ça plaît. Il paraît, il paraît, il paraît. Et puis déboule au quatrième étage, des flics qui demandent les papiers des hôtes. Vite, vite, reste là, toi qui es tout ma stock. Je reviens vite, dites alors, hôte. Vous voulez des papiers, tenez cela, répond le mastoc en tendant son bras. Puis il rajoute en fermant la porte, je les ai eus, cette carte est fausse. Les policiers rebroussent à leur chemin, mais à peine en bas, ils découvrent enfin. Cette carte d'identité ne vaut rien, elle vient de la Légion, alors ils remontent. Ding ding fait de nouveau la sonnerie, mais cette fois-ci personne ne sourit. C'est alors que s'enchaînent des péripéties. Je ne crois pas que nous faisons trop de bruit, dit le mastoc devant le flic. Trouvez-vous que les forces de l'ordre ont l'habitude de mentir? Il n'aurait pas dû, mais il a juste hoché sa tête, prend l'upercute, lacrymo déclenché. Dans les yeux, dans la cervelle, moi j'ai tout vu, mais la méchance se trouvait pêle-mêle. Des brigands, voilà à quoi nous paraissions face à ceux qui portent les cuissons qu'on appelle gardiens de la paix. S'accélère, on cherche tous de l'air. Ça a pas l'air, la lacrymo ronge la chair. Tous en alerte alors que la porte reste ouverte. Quelques pas suffisent pour arriver sur le palier d'entrée. En file indienne, on descend l'escalier. Tous essoufflés, on a du mal à marcher. Le souffle lui est coupé. Des bêtes blessées. Une silhouette au loin, peut-être pourra-t-elle nous sauver. C'est un motard casqué qui a la main un sacré tonfa. Devine quel a été le premier geste de ce policier. Envoyer son arme avec adresse en plein sur mon nez. Ils étaient une dizaine à nous accueillir. Le hall d'entrée est devenu rouge sang. À leur sourire, ils avaient réussi. Trois nez cassés, deux visages brûlés. Et moi j'ai juste la veste déchirée. Ah non, j'oublie mon coca sous l'œil droit, venant d'un coup de genou d'un policier. Puis 36 heures de garde à vue en janvier. Cette histoire s'est passée début d'année 2012. La plaine était silencieuse, pas un chat dans le quartier. Des policiers paraît-il qu'il en faudrait, oui, mais pas des flics au pouvoir exacerbé. Allô, yo boy, ici Houston. Combien de temps de vol vous reste-t-il? Répondez, yo boy, s'il vous plaît. C'est urgent, 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 urgent.